Et bonjour à tous. Allez, on se retrouve pour une petite vidéo. Aujourd'hui, on va faire des petits exercices à la con pour les débutants. Alors, soit vous prenez une feuille ou soit vous faites un petit cadre comme moi je vais faire. Le but du jeu, c'est de remplir ce petit cadre avec des petits exercices très simples, mais qui vont vous permettre d'avoir une bonne dextérité si vous vous entraînez souvent à faire ça. Déjà, il faut avoir le poignet vraiment souple. Donc, ailleurs, si vous avez votre poignet un petit peu raide au début que vous commencez à dessiner, essayez de faire 2-3 petits mouvements, essayez d'assouplir un peu votre poignet et ça vous aidera énormément à faire des dessins plus fluides. Alors, le délire pour le premier remplissage, c'est de faire des petits ronds et de remplir toute la surface. Vous essayez de faire des petits ronds sans les chevaucher les uns les autres et vous essayez de remplir toute cette petite zone. C'est un petit exercice un petit peu bête, je sais, mais ça vous entraîne à faire des ronds, à avoir une dextérité. Voilà, aucun rond ne doit se toucher, c'est un bon exercice. Et vous remplissez ça complètement. Vous pouvez même essayer d'en faire des plus gros. Oui, pas très rond, celui-là. Prenez pas une feuille A4, hein. Si vous prenez une feuille A4, vous la pliez en deux et ça suffira. C'est des petits exercices pour avoir la dextérité et avoir une bonne souplesse dans son poignet, quoi. Si vous avez 5 minutes à perdre, de temps en temps, vous pouvez le faire. Ça va assouplir votre poignet, ça va vous donner une meilleure vision de votre dessin. Vous essayez d'accélérer de temps à autre aussi pour voir ce que ça donne. Ça, c'est un petit exercice qui peut être sympa à faire de temps en temps pour la dextérité, encore une fois. Après, ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez fait votre dessin, vous pouvez même créer une forme comme ceci. Après, vous pouvez prendre une autre couleur, essayer de faire des petits remplissages et faire des petits intermédiaires avec une couleur. Vous pouvez éventuellement commencer avec un bleu clair comme je suis en train de faire. Éventuellement avec un bleu plus foncé pour finir, ça peut donner un petit dégradé léger sur l'ensemble du dessin. Un dégradé. Après, si vous voulez, vous pouvez faire aussi 2-3 volumes, 2-3 reliefs dans chaque petit rond. C'est des bons entraînements aussi. C'est des petites idées pour les débutants, mais c'est une phase d'apprentissage qui est pas mal d'essayer de faire des petits dessins comme ça. Ça aide vraiment à avoir un poignet super souple. Moi, je trouve que c'est important quand on débute dans le dessin.
qu'on peut faire aussi. Hop. Éventuellement, vous pouvez le faire avec du vert. Vert et jaune, ça peut être cool aussi, ça. Des couleurs sympas aussi à utiliser, ça et pour le petit ombrage dedans, un petit ombrage un peu marron. Après, c'est un exercice que vous pouvez aussi faire avec des formes pas forcément rondes. Je m'explique, vous pouvez partir avec des formes qui ressemble un peu à des écailles comme les reptiles ou des choses comme ça peut être stylé aussi quoi. Bon, c'est un autre exercice, mais ça peut donner des formes sympas aussi. Mais l'exercice avec les petits ronds, vous pouvez le faire, ça donne des bonnes idées et ça fait travailler le poignet et la vision des choses. Deuxième exercice, vous pouvez prendre pareil, faites un petit cartouche. Moi, bon, je finis pas le dessin. Ce sera un petit peu trop long, vous avez compris le truc. Bon, décidément. Ok. Alors, deuxième exercice, c'est faire des petits ombrages avec des parallèles. Sans bouger sa feuille. C'est un petit exercice tout con. Ça vous apprend à avoir un bon coup de crayon. Après, vous pouvez faire des choses plus grosses. Essayez d'avoir une bonne régularité au niveau du poignet. On se fait des petits remplissages sur des demi-feuilles. Ça, c'est un très bon exercice aussi, quoi. C'est vraiment des exercices pour avoir un bon coup de poignet, une dextérité sur les ronds, une dextérité sur les petits traits parallèles pour faire des petites hachures. Apprend aussi à bouger son poignet sur la feuille. Ça, c'est un très bon exercice aussi, quoi. Voilà, petite vidéo rapide pour les débutants, pour vous donner des idées de petits trucs à gratter. Allez, je vous reprends sur une prochaine vidéo.